Bonjour mes délicieux co-créateurs. Alors, nous sommes le 33e jour. Excusez-moi, ça bouge un peu. Je suis en voiture, mais ne vous inquiétez pas, je suis à l'arrêt. Non, c'est pas ça que je voulais faire, je voulais mettre ma tente. Voilà. Donc, nous sommes le 33e jour du défi 100 jours pour vivre ma vie à 100%. Je suis Nathalie Delin. Et donc, aujourd'hui, la petite pensée du jour, c'est qu'est-ce que je fais? Alors, cette question est assez pertinente dans tout ce qu'on fait, dans le cheminement qu'on est occupé de faire. Parce que, ben voilà, je vous fais des petites vidéos tous les jours. Et la question, c'est qu'est-ce que j'en fais? Et qu'est-ce que je mets en place? Et qu'est-ce que je passe à l'action? Je l'ai dit et répété quelques fois, et ça aussi je vous ai dit que je retapais un peu sur le clou plusieurs fois dans toutes les vidéos, mais je trouve que c'est important la répétition, parce qu'en fait c'est ça qui ancre les choses. Et donc voilà, la question est vraiment qu'est-ce que je fais de ce que j'apprends et des informations que je reçois. En plus aujourd'hui c'est une pleine lune et je pense qu'elle est assez puissante, encore une, mais je pense que cette année les pleines lunes sont hyper hyper puissantes, et là on est en plein dans le nettoyage des émotions et de différentes choses, donc les choses vont être mises à jour, et c'est déjà ce qui se passe, on voit dans les émissions et dans les journaux télévisés ou autre chose. En tout cas, on voit qu'au niveau politique, il y a plein de choses qui sont mises à jour. Pas que politique d'ailleurs, mais à d'autres niveaux également. Et donc voilà, il y a plein de choses qui sont mises à jour et nos émotions sont mises à fleur de peau. Et on les oblige à les sortir. Donc voilà, et moi je suis enrhumée. En tout cas, j'ai la gorge qui me gratouille, chatouille depuis 2 jours. Bon, il y a aussi la différence de température entre Santorin et la Belgique qui était un petit peu violente. Donc voilà, mais il n'y a pas que, parce que vraiment, oui, le froid est là, mais pour moi, la maladie ne vient pas de là. Donc voilà, il y a une petite infection de la gorge. Et il y a d'autres choses, en tout cas, mon corps réagit très très fortement à cette pleine lune. En ce moment, donc il y a des petites... voilà, le corps bouge et des nettoyages qui se font et des choses qui se mettent en place. Donc voilà, soyez attentifs à cette pleine lune et accueillez toutes ces émotions qui sont là et laissez sortir, en tout cas. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Et ben voilà, la petite question du jour, c'est qu'est-ce que je fais? Et donc, que faites-vous pour passer à l'action? Et qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, pendant ces vacances, j'ai lu un livre et 2 e-books, dont La science de la richesse, que grâce à vous, j'avais retrouvé. Et donc, et mon petit cadeau est toujours d'actualité. Hein, si ça vous intéresse de l'avoir, contactez-moi et je vous le transmets. Mais ce livre est d'une puissance énorme. Et je pense que je vais vraiment essayer de... Non, pas essayer, je vais mettre en place ce qui est dedans. Je sais qu'il y a 2-3 petites choses qui sont très difficiles pour moi. Ben voilà, je dois changer ma façon de penser, justement, ça fait partie de ça. Je vais mettre ça en action. Et je m'engage donc devant vous à mettre ce livre en action. Donc la science de la richesse. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous embrasse, je vous retrouve demain. Nous sommes au 33e jour, donc au tiers de notre défi, 33% pour être à 100%. Donc ben voilà, mettons tout ça à bon escient et je vous embrasse, je vous retrouve demain. Passez une excellente journée.